Il est 18h, on est vendredi, la veille de l'Enduro Débuse. On vient de se poser dans un petit spot vraiment sympa. Là, je vais m'occuper un peu du vélo. Il faut que je fasse le sag de la fourche, que je regarde un peu le rebond et tout, comment elle fonctionne. En tout cas, elle a l'air d'être bien molle. Donc, je vais m'occuper du bike. Bon, le seul truc par contre, c'est que vu que j'ai changé la fourche, j'ai oublié le garde-boue. J'ai pas remis le garde-boue alors qu'ils annoncent. Alors ils annoncent pas de la flotte demain genre, si ils annoncent mais en fin d'après-midi. Mais par contre ça fait 2 jours qu'il pleut, donc je pense que ça va être bien gras. Et après c'est genre c'est de la terre, c'est du terreau tu vois. Genre je l'ai fait l'année dernière là, l'Enduro Débuse. La terre elle est magnifique, vraiment c'est genre la terre auvergnate, c'est du terreau. Et du coup j'espère que ça va pas trop gicler, que ça va pas être trop gras. Mais normalement ça va, là, on va y avoir un grip d'enfer. Elle a l'air sympa la piste à l'eau d'envieux là. C'est sketchy. Si là on n'est pas bien par contre. Pendant que l'eau des pâtes cuit, on va aller tester la bicyclette. Cramé. Et sinon on a pris un spot pas trop loin d'Ambert, genre on est à 8 minutes comme ça. Demain matin on n'a pas besoin de se lever trop tôt, et demain matin le retrait des plaques est entre 6h45 et 8h, et à partir de 7h30 on peut partir dans les bus, parce que genre on monte en bus pour la première navette pour qu'on parte d'en haut, comme ça ça nous fait moins de déplus sur la journée et plus de démoins. Le jour se lève tout doucement. Il est 6h40. Il y a des copains qui sont venus se poser là-bas. Il faut se réveiller. Elle se planque. Je sais même pas si on voit comment est mis le vélo là. Pas sûr. Je pense qu'il fait noir. Genre j'ai enlevé le guidon. Comme ça j'ai plaqué le vélo contre la paroi là. Je suis pas sûr qu'on le voit. Et du coup le chien il était là, il était à nos pieds genre. Il passait à côté du vélo. Ils ont mis le tapis rouge, rien pour nous. Ça, c'est le plus important. Non, non. Du coup, on vient de récupérer la plaque. À tout à l'heure. Ouais. Amuse-toi bien. Allez, sorry, au revoir. Oui. Oui. Bon, du coup, c'est un peu la merde. Genre, il n'y a pas assez de place dans le bus là-bas. Il va pas y avoir assez de place. Du coup, ils ont été chercher une remorque. Ils sont en train de charger là aussi. Là. Mais du coup, j'ai rechargé le vélo dans le camion. Et elle va monter directement. Ce sera plus pratique. De toute façon, elle monte. Donc, c'est pas grave. Ça y est, on est arrivé. Et ils sont tous en train d'attendre là-bas. Parce qu'en fait les bus sont montés, mais pas le camion de vélo. Du coup tous les gars sont en haut, mais sans vélo. Donc il y a personne qui est prêt pour aller vers un spécial. Ça y est, le camion est arrivé. C'est un semi-remorque genre, entier. Et tous les vélos sont pas passés dedans. 5, 4, 3, 2, 1. Remonter ? Ah ouais. Allez, bon. La GoPro elle fait que de s'éteindre. La GoPro fait que de s'éteindre. C'est chiant. Attention!
Yes, merci. Attention, je passe en terre, merci. Ah, la spirale était trop bonne. Non, je sais pas pourquoi la GoPro elle s'est éteinte au début. Mais j'ai bien fait de la rallumer parce qu'après elle a fait prise toute la fin. Je sais pas ce qu'elle a foutu. Ouais, bah là on va remonter à la 2. De toute façon aujourd'hui ça va être une grosse journée. On a 45 bornes avec 1005 de D+. Donc là ça va faire mal. La terre est vraiment genre prime. C'est vraiment le terreau Auvergnat. C'est incroyable à rouler. En plus il fait beau. Et une belle vue. Ça va être une bonne journée. Bonjour. Ça part à gauche là au panneau jaune? Ouais, c'est ça. Je peux y aller. Putain, j'ai pas le début de la speed. Ah ouais, c'est la mienne, ouais. Oh. Merci bien. Ouais. J'ai chuté. T'as pris une belle boîte? Ouais, enfin non. Mais j'ai perdu l'avant-combi. Bah, moi, le dernier, là. Il m'a dit à droite. Ah, j'ai serré à droite, mais trop droite. Je suis passé par-dessus, du coup. Putain, ça me saoule. La GoPro, elle s'éteint. Alors qu'elle a 3/4 de batterie, je comprends pas. Je vais essayer de changer de batterie. Trop dégoûté qu'elle ait pas filmé celle-ci. Elle est incroyable, ça va vite partout. Ça tabasse. J'adore, je crois que c'est ma preuve là. Je l'ai kiffé. Bon, je me suis mis un petit par l'avant dans le dernier virage. Le gros droite là. J'ai trop tourné. On a fait 15 bornes, 500 de plus. J'ai déjà une crampe. Ça va être long, ça va être dur. Putain, c'est fou ça. Pourquoi je crampe déjà? Ça fait 1h30 qu'on roule. J'ai déjà crampé sans déconner. J'ai tapé une pierre dans l'aspect 2 et je sais pas si on voit bien, mais j'ai l'impression que là, le plateau il tourne plus rond. J'ai l'impression qu'il tourne comme ça là. Ouais, carrément, il y a un truc là. Oh merde, si je l'avais su à la une, putain, j'aurais au moins eu les autres peut-être, mais là je savais pas du coup. Allez, allez. Oh la vache! Allez Baptiste! Qu'au premier départ. Ah ouais? Mais pas l'arrivée par contre. Non, pas l'arrivée. Ah oui, donc du coup j'ai le premier départ et c'est tout quoi. Qu'est-ce que je veux dire? J'essaie de lui passer le truc, t'es dans la cadence? Non, il a aucun chrono. T'as aucun chrono? Non, bah en tout cas 1 et 2 j'avais pas, là j'ai pas regardé. 1 et 2 il avait pas. Toi, tu sais pas le temps que t'as mis, t'as pas... Bah non, elle a pas marché tout le temps, donc non, j'ai pas le temps. Non, il a pas le temps. Sauf si un segment Strava, peut-être. Putain, elle pouvait pas le dire en bas de la une, là, sans déconner. J'en ai aucune, du coup.
Ça fait cher la randonnée. Bah, ouais, de toute façon, c'est celle que je me suis servi pour le test. Ça devrait marcher quand même. Ok. Hop. Merci. C'est parti. Ouais, c'est ça. Attention. Ouais, merci. Ah putain, je suis tanké. Oui, il y a un problème dans le frein arrière. À droite ça coupe. Trop tard. Ah. Pardon, pardon. Merci. Merci. Oh putain. Il y a un truc qui frotte là. Ouais, je pense que là, il y a un problème, il y en a une qui est en diagonale. Ah, ça frotte à mort. C'était donc ça le bruit, j'ai plus de plaquettes. Alors que c'était censé être neuve. Nickel. Il y a une vraie ambiance là. Allez, plaquette neuve. Bon, j'ai un peu moins de garde, mais. Et au moins, ça fait plus de bruit. Faudrait que j'essaye de l'éroder un peu. Parce que la 5, ça, c'est de la pente. Alors là, si je me jette dans la pente. Comme ça, ça va être chaud. Eh merde, j'ai pas pris d'eau. Je vais re-remplir ma gourde. Quel con. Pff, allez. Le port. Nickel, du dérail. Attention! J'arrive! Je passe à gauche! Merci! J'ai pas de chaîne! Voilà, super, nickel! Oh putain, je suis dégoûté. Elle était trop bonne. Oh, fais chier. Oh la vache. Ah. Bon bah voilà, ça devait arriver. Avec mon plateau qui tourne un peu en 8 là, je déraille au bout de 20 mètres. Et la chaîne s'est bloquée en plus derrière entre les cassettes et cadres. Tant pis. Le départ de la spécie. Mais moi je suis. Qui passe pas la dame?
Attention, je suis là. C'est beau, décontracture. Pardon. Allez. Yes, merci. Attention. Putain. Attention à gauche. Attention. Je passe à gauche. Merci. Ah, les crampes. Putain, mais il fait nuit. Attention. Vas-y, je passe. Merci. Allez, vas-y. Allez. Allez, allez, allez. Bah oui. Attention, je suis là. Oh, merci, mec. Attention. Merci. Oh, folle. Allez, je vais aller voir un peu là-bas. Dans les derniers virages où il y a les ambiances. Où il y a l'ambiance. Ouais, j'ai des crampes là. Ah, je peux pas marcher. Ça crampe. Aïe, aïe. Ah. Ouais. Quand j'ai des chronos, ouais. J'ai pas les chronos de la les trois premières. Ah bon? Bah putain, ça n'a pas marché. Non. Si, je te jure. Les trois mieux, genre, je sais pas. Mais sinon, ouais, c'est trop bon la piste là. Ouais, c'était bien. Incroyable. Bien sûr, c'est incroyable. Ouais. Bon, je me cache parce qu'il y a de l'orage, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, elle vient me chercher un camion, je vais attendre là. Parce que là, la rentrée sous la pluie, faire la dernière liaison trempée sous l'eau. Alors que, enfin, genre. Oh putain. Genre, on n'est pas pointé ou quoi, donc. Ouais, il est pas super loin en plus, ça, vu comme il vient de péter là. La vache. Comment il tombe des trompes d'eau. Ouais, et des éclairs. Je suis trempé. Ouais, ceux qui sont rentrés en vélo là. Putain, les pauvres. J'aimerais bien qu'elle arrive par contre là, mon taxi là. Je commence à avoir froid un peu. Putain, je viens de l'avoir passé. Elle est passée là-bas. Je suis actuellement en train de remonter une rivière. C'est plus une route. C'est une putain de rivière.
Bah je suis trempé. Allez, ça je vais le démonter. Je le fous dans le camion en direct. Oh la vache. Ah bon, on est qu'on est en train de prendre. Alors je dois avoir des fringues quelque part là. Ah la GoPro elle filme. Bon du coup un peu la course. On avait tout chargé en panique sous l'eau. Et là ça s'est un peu calmé. Il pleut encore mais genre doucement. On va aller chercher l'aligo. Parce qu'on a quand même, j'ai quand même un bon aligo. On vient de récupérer l'aligo. Tout le monde qui mange là-bas sous la panelle. Là il sert l'aligo juste là. On va retourner dans le camion, se mettre à l'abri. Bon du coup on s'en va. On reste pas pour la soirée. Parce que de toute façon le sol il est... C'est détrempé partout.